Bonjour à tous. La présentation va débuter dans 2 minutes. La présentation va débuter dans 1 minute. Donc, bienvenue à la conférence nationale sur la leucémie. Donc, un grand merci à vous tous de vous être joints à nous pour la présentation d'aujourd'hui. Il s'agit de la troisième fois pour cet événement qui, pour cette année, comme vous pouvez le constater, bien, a lieu de façon virtuelle. Donc, tout au long de la semaine, vous allez avoir accès à des ressources éducatives sur la leucémie, mais aussi à des histoires inspirantes. Il va y avoir un total de 5 web diffusions pour cette semaine. Juste un instant, ça ne sera pas long. Désolée, j'ai un petit problème de présentation. Donc, il va être question aujourd'hui de la prise en charge de la leucémie myéloïde chronique. Donc, ça va être une discussion sur les options de traitement, mais aussi sur ce que vous pouvez faire afin de minimiser les impacts et les effets secondaires du traitement de la leucémie myéloïde chronique. Donc, on peut maintenant débuter la présentation. Je me présente, mon nom est Joliane Pelletier et je suis la coordonnatrice au service à la communauté pour la région du Québec à la Société de leucémie et lymphome du Canada. Donc, je vais être la modératrice pour cette présentation et je vais être la présentatrice pour cette la modératrice pour cette présentation. Désolée, je me suis enfargée un peu dans ma voix. Donc, ça va être d'une durée d'environ 60 minutes avec la période de questions. Vu qu'on est en grand nombre, vous allez peut-être remarquer que votre micro est mis en sourdine. Par contre, il va vous être possible de poser des questions ou de nous envoyer des commentaires dans la zone questions. Donc, nous allons les lire à la fin de la présentation à voix haute. Et vous aurez aussi accès à la présentation qui sera enregistrée. Donc, quand elle va être disponible, il y a un lien qui va vous être envoyé par courriel. Donc, notre mission à la Société leucémie lymphome du Canada, c'est de trouver un remède contre les cancers du sang, mais également d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées par un cancer du sang et de leurs familles. Donc, nous sommes là pour vous aider. Vous pouvez le voir à l'écran en ce moment. Il y a le courriel de ma collègue Pascale ainsi que le mien et également notre ligne téléphonique. Donc, si vous avez un diagnostic de cancer du sang ou si vous avez un proche qui est touché par un cancer du sang,
N'hésitez surtout pas soit à nous téléphoner ou à nous écrire afin d'obtenir du soutien ou des réponses à vos questions et ça va nous faire un grand plaisir de pouvoir vous aider. Notre site Internet regorge également d'outils variés, donc il y a différents feuillets informatifs soit sur la maladie, soit sur les traitements ou encore sur les effets psychosociaux qui sont liés au cancer du sang. Et pour les personnes qui sont peut-être plus visuelles, il y a possibilité aussi de visionner des vidéos éducatives explicatives sur les différents cancers du sang, mais également sur la gestion des traitements. Et toujours sur notre site Internet au cancerdusang.ca, vous avez accès aux archives de nos webdiffusions précédentes. Donc, si vous n'avez pas eu la chance d'assister à certaines d'entre elles, mais que ça vous intéressait, il est toujours possible d'aller les visionner. Et nous avons depuis peu un nouveau format d'outils qui est disponible. Donc, cette fois-ci, pour les personnes qui sont peut-être plus auditives, bien, il s'agit de balados qui sont disponibles sur les différentes plateformes. Donc, ça peut être Spotify, Apple ou Anchor. Et le nom de notre chaîne balado est « Parlons des cancers du sang ». Donc, je vous invite à vous y abonner en grand nombre. Et il y a vraiment plusieurs balados très intéressants. Donc, parfois, c'est des témoignages de personnes directement touchées par un cancer du sang, des survivants, des proches aidants. Mais il y a aussi des balados avec des professionnels de la santé qui parlent de différents sujets liés au cancer du sang. Donc, à la Société, on a également le programme de soutien par les pairs. Donc, c'est un programme qui vous donne l'occasion, si vous avez reçu un diagnostic de cancer du sang ou encore si vous êtes un proche aidant d'une personne touchée par un cancer du sang, de discuter au téléphone avec un de nos bénévoles formés, mais qui est également une personne qui est passée par la même chose. Donc, si ce programme vous intéresse, vous communiquez avec nous, vous allez remplir la demande sur notre site Internet. Et nous, par la suite, on essaie vraiment de faire le jumelage en jumelant des personnes qui ont des caractéristiques similaires. Donc, bien sûr, le diagnostic, mais également, ça peut être l'âge, le sexe ou la situation familiale. Et c'est vraiment un programme qui est grandement apprécié de ceux qui l'utilisent. Et depuis juin 2020, on a lancé notre programme « Votre vie après le cancer ». Donc, l'expérience du cancer est unique à chacun et chacun vit ses différentes étapes à sa manière. Donc, sur le site « Votre vie après le cancer.ca », vous pouvez aller trouver des outils, différentes ressources qui vous aident à progresser dans la vie après le cancer. Donc, vous allez trouver, par exemple, des feuillets informatifs sur comment composer avec la fatigue liée au cancer ou la dysfonction cognitive liée au cancer, mais également des enregistrements vidéo et des témoignages écrits de personnes qui sont passées par là. Donc, il est maintenant temps de vous présenter notre conférencière pour aujourd'hui. Donc, il s'agit de Roxane Lessard-Urtubise, qui est une pharmacienne communautaire passionnée d'oncologie dans le milieu de la pharmacie communautaire. Donc, elle travaille depuis 2017 à la pharmacie La Rivière-Massicotte, qui est une pharmacie d'expertise en oncologie. Donc, Roxane, je te laisse la parole pour la suite. Juste ouvrir ton micro. Oui, c'est bon, mais merci beaucoup. Donc, on va pouvoir commencer dans le fond la présentation. Bien long, je pense que j'ai des problèmes moi aussi. OK. Donc, pour commencer, dans le fond, je vais vous donner un petit mot sur mon contexte personnel, en fait, un peu où est-ce que je travaille, pour comprendre un peu pourquoi on m'a demandé de faire, dans le fond, la présentation d'aujourd'hui sur la leucémie myéloïde chronique. On va parler évidemment de savoir qu'est-ce que la leucémie myéloïde chronique, dans le fond de l'incidence, des facteurs de risque par rapport à tout ça, des signes et symptômes qu'on peut avoir avec la maladie. On va parler aussi des phases de la leucémie, tout simplement, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs phases. Et on va parler un peu plus en profondeur des traitements, savoir un peu comment gérer, entre autres, les effets secondaires. Et on va parler un petit peu de comment suivre l'efficacité de votre traitement, donc la réponse au traitement et un peu voir qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour prendre en charge votre maladie. Pour commencer, en fait, moi, je travaille à une pharmacie d'expertise, dans le fond, La Rivière et Massicotte.
On se concentre particulièrement en oncologie. On fait aussi d'autres choses, mais c'est vraiment des traitements plus complexes que des fois dans les pharmacies régulières, qu'il n'y a pas beaucoup de patients qui ont ces médicaments-là. Donc, nous, on se concentre vraiment sur les thérapies complexes, donc entre autres en oncologie. Par exemple, les traitements en leucémie myéloïde chronique, on en voit habituellement tous les jours. Donc, c'est quelque chose qu'on est habitué. Puis, on travaille habituellement on travaille en tandem avec les pharmaciens proches de chez vous. Donc, on travaille en équipe pour vraiment prendre en soin tous vos médicaments ensemble. C'est un service, en fait, qui est disponible partout au Québec. Donc, oui, en fait, on est situé à Montréal, mais on fait les livraisons partout au Québec. En général, qui peut avoir un délai de livraison en 24 heures. On a vraiment plus de 30 employés d'expérience, en moyenne, entre 7 à 10 pharmaciens en service. Et on a vraiment plus de 12 ans d'expérience en hématologie, en oncologie. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille dans ce domaine-là. On a aussi des experts en remboursement pour les assurances publiques et privées. Donc, des fois, pour démêler tout ça, on a besoin un peu de guide. Donc, on a deux experts qui sont présents là, en tout temps à la pharmacie pour ces raisons-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire, que ça existe des pharmacies, dans le fond, qui se spécialisent dans les traitements un peu plus complexes. Donc, ça peut être intéressant de voir si ça peut être approprié pour vous. Ensuite, en fait, on va vraiment plonger dans le sujet d'aujourd'hui, donc la leucémie myéloïde chronique. En fait, pour comprendre la leucémie, il faut d'abord comprendre un peu, dans le fond, les constituants du sang. Donc, pour commencer, on a trois types de cellules sanguines, dans le fond, les globules blancs, qui sont vraiment, dans le fond, nos soldats contre les infections, donc qui vont vraiment combattre les infections. Ensuite, on a les globules rouges, en fait, des fois qu'on appelle aussi dans les laboratoires l'hémoglobine, dans le fond, qui va transporter l'oxygène. Et finalement, on a aussi les plaquettes, dans le fond, qui aident à la coagulation du sang. Tout ça, dans le fond, baigne dans un liquide qui s'appelle le plasma, donc qui est composé principalement d'eau, mais aussi qui va permettre, entre autres, de transporter les vitamines, minéraux et autres composantes chimiques là, naturelles du corps pour les amener vers tous les organes. Ensuite, on a aussi une particularité pour la leucémie, il faut regarder le système immunitaire. Donc, le système immunitaire, oui, c'est nos globules blancs, mais on parle aussi des fois de la moelle osseuse, entre autres, qui aide à la production là, des globules blancs du corps et des autres cellules aussi. On a dans le fond les ganglions lymphatiques qui sont des lieux prédisposés là, pour vraiment combattre les infections, entre autres. Et on a aussi la rate qui est impliquée dans le système immunitaire, qui est principalement en fait présente pour récupérer le fer dans les globules rouges pour les réutiliser, mais qui a aussi un rôle, surtout quand on est plus jeune, dans la production un peu de globules blancs aussi quand on est plus jeune. Dans le fond, qu'est-ce que la leucémie myéloïde chronique? On n'est pas en fond avec cette leucémie-là. C'est pas quelque chose qui est héréditaire. C'est en fait quelque chose qu'au courant de la vie, on a des dommages au niveau d'ADN, au niveau des cellules de la moelle osseuse et qui finit éventuellement par, dans le fond, causer une cellule qui va se multiplier de manière incontrôlable. Donc, qu'elle a un message, elle, de se répliquer constamment et ne pas faire nécessairement son travail comme toutes les autres cellules normales. Ce qui fait que, dans le fond, ces cellules-là vont prendre aussi la place des cellules normales du corps, par exemple, qui vont remplacer les plaquettes normales, les globules rouges normales et les globules blancs normaux. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on perd justement un peu nos capacités, par exemple, de combat pour les infections ou encore une diminution de globules rouges, donc on fait de l'anémie. C'est ce qui est un peu caractérisé pour, dans le fond, la leucémie myéloïde chronique. En fait, on va parler des fois aussi de cellules souches. Donc, je voulais juste faire une petite mention, en fait, que les cellules souches, c'est des cellules qui se retrouvent dans la moelle osseuse. La cellule souche, en fait, c'est la cellule qui est à la base de toutes les autres cellules du sang, donc qui va se développer en plusieurs progéniteurs. Dans le fond, on a la lignée qu'on appelle myéloïde et la lignée qui est lymphoïde. Évidemment, dans la leucémie myéloïde chronique, on va vraiment avoir une atteinte du côté myéloïde. Donc, dans le fond, toutes les cellules qui découlent de ce côté-là peuvent être touchées.
par la leucémie. Donc, entre autres, on a, par exemple, les plaquettes qui sont de ce côté-là, les érythrocytes, en fait, qui est le nom un petit peu plus scientifique pour les globules rouges, et certains types de globules blancs, donc, qui vont être touchés par la leucémie. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment des symptômes pour toutes ces cellules-là. Pour ce qui est de l'incidence et facteurs de risque, je passais quand même rapidement sur ça parce que souvent, vous êtes déjà un peu au courant de comment ça se passe pour ça. Il faut juste comprendre qu'en fait, c'est une maladie qui augmente avec l'âge. Donc, comme vous pouvez voir, que c'est plus fréquent plus on est âgé qu'on est jeune. C'est quand même possible de développer la leucémie à un plus bas âge, mais c'est moins fréquent. Pour les facteurs de risque, en fait, on remarque en général que la LMC va toucher principalement plus un peu plus d'hommes que de femmes. Sinon, avec le, comme je vous ai dit, il y a plus de risques d'être affecté par LMC, plus on devient âgé. Donc, plus on accumule un peu des dommages à l'ADN, plus on a un risque de développer cette maladie-là. Sinon, il y a aussi l'exposition au rayonnement. Puis quand on parle de rayonnement, c'est des rayonnements particuliers comme, par exemple, des personnes qui ont survécu à la bombe atomique ou encore à un accident nucléaire. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement fréquent pour la plupart des gens. Sinon, il y a certaines personnes qui vont recevoir de la radiothérapie pour certains cancers qui vont développer aussi une LMC. C'est souvent des très fortes doses. Donc, la plupart des patients, en fait, qui ont la LMC n'ont pas, c'est pas nécessairement, la plupart des patients qui sont malades pour cette raison-là, c'est pas pour de la radiothérapie. Il faut pas avoir peur de la radiothérapie. C'est juste qu'il y en a certaines que, vu qu'on utilise de très fortes doses, ça peut arriver, à l'occasion. La particularité, en fait, de la leucémie myéloïde chronique, c'est que, dans le fond, on a une mutation génétique particulière qui va vraiment causer le développement de la maladie. C'est ce qu'on appelle, en fait, le chromosome de Philadelphie. Ce qui arrive, en fait, c'est qu'on a le chromosome 9 et le chromosome 22, dans le fond, qui vont avoir éventuellement, au cours de la vie, dans le fond, des dommages. Et la cellule, à ce moment-là, elle va mal réparer, dans le fond, le dommage. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a un échange entre les deux chromosomes qui va se faire. Donc, il y a une partie du gène qu'on appelle ABL qui va se transférer sur le chromosome 22, ce qui va causer à ce moment-là l'apparition de ce qu'on appelle l'oncogène BCR-ABL. Et cet oncogène-là va vraiment fabriquer une protéine particulière qui envoie comme signal à la cellule de se répliquer de façon, de façon excessive. Donc, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que la cellule va tout simplement prendre toute la place et ne va pas nécessairement faire bien son travail qu'elle était censée faire au départ. On peut remarquer, en fait, déjà à l'œil, des fois que la longueur des chromosomes, quand on a ce chromosome de Philadelphie, ils sont pas de la même longueur. Donc, on peut le voir à l'œil, puis ça va être une des choses que des fois, ils peuvent détecter les médecins par microscope, tout simplement. Pour ce qui est des signes et des symptômes de la LMC, en général, c'est une maladie qui évolue lentement. Donc, la plupart des patients, quand ils vont avoir leur diagnostic, ça se peut qu'ils aient aucun symptôme ou sinon très peu de symptômes. Si jamais on a des symptômes en général, on va remarquer de la faiblesse, de la fatigue, de l'essoufflement ou d'avoir de la perte de poids inexpliquée. Parfois, la rate peut être un petit peu plus grande. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on peut avoir une sensation de lourdeur ou de douleur sous les côtes du côté gauche ou des sueurs nocturnes. Ce qui arrive, en fait, c'est que c'est souvent des symptômes non spécifiques, ce qui veut dire que ça peut être des symptômes qui peuvent être associés à plein de choses. Donc, ce ne sera pas nécessairement avec les signes et symptômes qu'on va diagnostiquer la leucémie. Pour le diagnostic, ce qu'on va demander de regarder, ça va être souvent découvert, entre autres, par la formule sanguine complète. Donc, les médecins vont souvent remarquer une diminution de l'hémoglobine, donc des globules rouges, une augmentation des globules blancs, et parfois, dans le fond, des changements au niveau des plaquettes, soit très hautes ou très basses. Donc, ils vont remarquer ça, dans la prise de sang. Encore une fois, ce n'est pas suffisant pour faire le diagnostic de leucémie. Donc, ils vont demander de regarder un peu plus loin. Donc, effectivement, on peut regarder les cellules sous microscope pour voir de leur apparence physique, s'ils sont normales ou anormales. Mais le plus important aussi, c'est d'aller vraiment voir la moelle osseuse. Pour la moelle osseuse, souvent, on va vraiment demander une ponction et biopsie de la moelle osseuse pour, entre autres, regarder sous le microscope.
Mais on a aussi maintenant des nouvelles techniques un peu plus sophistiquées qu'on peut aller pousser plus loin pour aller chercher vraiment côté génétique, les mutations vraiment précises qu'on veut pour identifier la LMC. Donc, d'abord, effectivement, on peut le regarder sous microscope et voir que les chromosomes ne sont pas exactement de la même longueur, comme je vous ai dit. Mais sinon, il y a d'autres techniques encore plus précises, donc entre autres la méthode FISH qui s'appelle hybridation in situ en fluorescence. C'est plus sensible, donc c'est plus précis. Donc, on va vraiment envoyer une sonde colorée pour se lier à une séquence précise d'ADN au niveau de la cellule. Et à ce moment-là, on va pouvoir voir visuellement au niveau de la cellule exactement s'il y a une présence ou pas de notre chromosome de Philadelphie. Mais ce qui est encore plus populaire ces temps-ci, en fait, c'est ce qu'on appelle la réaction de polymérisation en chaîne quantitative. Donc, ce qu'on appelle plus communément le PCR quantitatif. Ce qui permet, dans le fond, le PCR quantitatif, c'est d'identifier encore une fois une séquence précise de par exemple, de notre chromosome de Philadelphie. Et ce qu'on va faire, c'est en fait des copies en temps réel. Donc, on est capable de voir, dans le fond, l'augmentation des copies. Et grâce à ça, on fait une courbe, puis on peut trouver combien il y avait de copies initiales du gène, donc un nombre exact de cellules présentes dans un échantillon. Ce qui permet entre autres de faire un suivi de l'efficacité des traitements plus tard, là, je vais vous en parler un petit peu plus en détail plus tard pour ça. Pour ce qui est en fait des phases de la LMC, souvent en fait il y a trois phases. On va commencer habituellement, souvent au diagnostic, on est souvent à la phase chronique, mais ça peut arriver qu'on soit déjà par exemple en phase accélérée ou en phase blastique. Pour ce qui est de la phase chronique. Dans le fond, habituellement, c'est là où est-ce qu'on a peu ou pas de symptômes. Donc, oui, on a un petit peu des globules blancs augmentés, mais il n'y a pas beaucoup de particularités encore qui peuvent être remarquées à ce moment-ci. Puis c'est une raison habituellement aussi qu'on répond super bien au traitement standard. Si jamais on ne traite pas la phase chronique, éventuellement, ça finit par évoluer vers une LMC qui est dans le fond, en phase accélérée. Pour la phase accélérée, on commence à avoir, dans le fond, un peu plus de particularités comme les globules blancs qui vont augmenter davantage, voir les basophiles qui sont une sorte de globules blancs un peu plus élevés, donc à plus de 20 %. Puis on peut commencer à avoir des symptômes, donc la taille de la rate peut être augmentée, on peut la sentir. Des fois, on a de l'anémie, donc essoufflement, fatigue. Vu que c'est en phase accélérée, dans le fond, les cellules, ils se répliquent un peu plus rapidement, ce qui fait que les cellules normales ont moins de capacité à contrebalancer l'effet des mauvaises cellules, finalement. Donc, si on ne traite pas encore la phase accélérée, on finit par évoluer encore une fois vers la LMC en phase blastique. La phase blastique, c'est vraiment plus rapide, encore une fois. En fait, on la compare souvent à une leucémie aiguë parce que c'est super rapide. Donc, on va vraiment avoir des problèmes, dans le fond, pas suffisamment de globules rouges, dans le fond, des globules blancs très élevés, plaquettes élevées ou basses. Donc, vraiment plusieurs symptômes qui se présentent à cette phase-là. Les symptômes, et en fait, qu'on peut même remarquer, ça peut être de la fièvre, fatigue, essoufflement. Donc, plusieurs vraiment symptômes possibles quand on est rendu en phase blastique. Puis, on va voir en fait aussi que les phases vont avoir un impact, entre autres, pour les facteurs pronostiques de la maladie. Ce qu'on veut dire, c'est est-ce que la maladie va être à haut risque, à bas risque, dans le fond, de bien répondre au traitement ou pas. Donc, c'est ce qu'on va regarder, entre autres, avec ce qu'on appelle les facteurs pronostiques. Dans le fond, on a remarqué en général que les personnes qui sont en phase accélérée et phase blastique ont souvent des moins bonnes réponses au traitement, puis que c'est souvent justement un peu moins bon, un moins bon, dans le fond, il y a moins de bonnes chances de bien guérir de la maladie. Avec l'âge aussi, plus on est âgé, moins on répond bien souvent au traitement. Plus la rate est augmentée au début du traitement, dans le fond, plus on va remarquer en fait que ça va moins bien aller des fois par la suite. Les plaquettes, s'ils sont très hautes ou très basses aussi, donc ça va être des choses qu'on va regarder. On va avoir les blasts en fait qui sont les cellules, dans le fond, qui ne sont pas fonctionnelles, donc ils vont se promener dans le sang, puis habituellement, on n'en a pas. Dans le fond, c'est des précurseurs
des nouvelles cellules de globules blancs, donc qui ne sont pas matures complètement, puis ils ne font pas nécessairement bien leur travail. Donc, quand on les retrouve dans le sang, c'est aussi anormal. Et sinon, on a aussi, dans le fond, les basophiles et les éosinophiles, qui sont d'autres sortes de globules blancs, qu'on peut les retrouver dans le nombre accru dans le sang. Habituellement, le médecin, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser une échelle. Dans le fond, il y a plusieurs sortes d'échelles et grâce à ça, on va pouvoir rentrer nos données, par exemple, le nombre de plaquettes, l'âge et tout, donc savoir où est-ce qu'on se situe. Puis, grâce à ça, on peut déterminer, par exemple, si on est à haut risque, à moyen risque ou à faible risque. Donc, ça va nous guider pour savoir comment on veut traiter les patients. Pour ce qui est des traitements, en fait, pour commencer, il faut comprendre que pour chaque personne, on va essayer d'individualiser les traitements. Ce n'est pas parce que quelqu'un d'autre a eu un certain traitement que c'est ce qui est le mieux pour tout le monde. Donc, dans votre situation, on va évaluer entre autres la phase de la LMC, on va évaluer l'âge, les facteurs de risque, les résultats des laboratoires et tout ça, pour vraiment choisir le traitement qui convient le mieux pour chaque personne. Et aussi pour les objectifs de traitement, évidemment, on a maintenant des très bons traitements. Donc, on est capable de vraiment vouloir essayer de par exemple, les personnes en phase chronique, de ramener, entre autres, oui, la numération globulaire à des niveaux normaux. Donc, par exemple, les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, les ramener à un niveau normal. Mais on veut aussi éliminer le plus possible les cellules qui contiennent la protéine problématique dans le fond BCR à BL1. Idéalement, en fait, de les rendre, si possible, soit indétectables, tout simplement. Donc, on peut se rendre jusque-là quand on obtient des réponses super profondes. Sinon, quand on est en phase accélérée ou blastique, le but, en fait, c'est souvent de retourner à la phase chronique et éventuellement, si possible, de réduire dans le fond, au minimum, dans le fond, les cellules qui contiennent le gène problématique. Pour ce qui est des options de traitement, on a quand même plusieurs options. Dans le fond, souvent, on commence avec l'hydroxyurée. Je vais y aller en détail pour chaque catégorie. Dans le fond, les inhibiteurs de la tyrosine kinase, c'est maintenant la catégorie des médicaments les plus efficaces en ce moment pour, dans le fond, la LMC. On a aussi, sinon, la greffe de cellules souches allogéniques qui est super intéressante pour certains patients, mais qui peut avoir des complications, on va voir un peu plus tard. Et sinon, on a des médicaments, en fait, qu'on utilise de moins en moins, entre autres de la chimiothérapie et l'immunothérapie non spécifique, qu'on va en glisser un petit mot un peu plus tard aussi. Pour commencer, en fait, l'hydroxyurée, qu'on appelle aussi Hydrea, c'est un médicament qui se vous donne par voie orale, qui est souvent donné en début de traitement ou des fois même avant d'avoir la confirmation du diagnostic de la LMC. Il permet entre autres d'abaisser rapidement le nombre très élevé des globules blancs au départ et entre autres aussi réduire la taille de la rate. Et souvent, en fait, ce qui arrive, c'est qu'on va souvent le changer maintenant pour des traitements plus efficaces qui sont les inhibiteurs de la tyrosine kinase quand on a finalement la confirmation de la LMC. Donc, souvent, quand on a la confirmation comme quoi on a la protéine, dans le fond, qu'on veut viser avec les inhibiteurs de la tyrosine kinase. L'hydroxyurée habituellement est arrêtée à ce moment-là, mais évidemment, il faut toujours confirmer avec le médecin pour être sûr que c'est approprié aussi pour vous de l'arrêter. Donc, on va rentrer dans un plus gros bloc là, en ce moment pour les inhibiteurs de la tyrosine kinase. C'est des médicaments, encore une fois, par voie orale. Puis c'est une chose qui va être super importante à considérer pour vous. Parce que dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut vraiment bien prendre nos médicaments par voie orale. Donc oui, l'avantage, on les prend à la maison, mais on remarque entre autres que si on ne les prend pas de façon appropriée, on perd en fait aussi de l'efficacité du traitement. Il y a des études même qui ont démontré que tout simplement d'avoir ce qu'on appelle une adhésion au traitement de moins de 90 %, donc ce qui peut être environ un oubli de 3-4 jours par mois, on parle évidemment de régulièrement, là, donc pendant plusieurs années par exemple, là ça peut vraiment diminuer de façon significative l'efficacité du traitement. C'est sûr que si on fait des oublis une fois de temps en temps sans faire exprès, il n'y a pas de problème, mais le principe, en fait, c'est de le prendre le mieux possible pour aider l'efficacité du traitement.
Dans le fond, les inhibiteurs de la tyrosine kinase, c'est une thérapie qui est ciblée. Donc, elle va vraiment identifier et attaquer les cellules particulières, en fait, qu'on veut détruire. Donc, les protéines, en fond, anormales, BCR, ABL, le médicament va vraiment se lier sur notre tyrosine kinase que ça va produire. Et ce qui va, en fait, bloquer la signalisation anormale de réplication de la cellule cancéreuse et ce qui va provoquer par la suite, en fait, la mort de la cellule cancéreuse. L'avantage, en fait, des thérapies ciblées comme ça, c'est qu'on limite les dommages aux cellules normales. Donc, souvent, il y a un petit peu moins d'effets secondaires que des médicaments, par exemple, par chimiothérapie, que des fois, ils vont tuer beaucoup de cellules sans faire de distinction. Donc, ça peut être intéressant pour ça. Ensuite, il faut comprendre, par exemple, que les inhibiteurs de la tyrosine kinase, ça ne permet pas de guérir la LMC, mais on est capable d'obtenir une rémission extrêmement profonde avec ces médicaments-là. Donc, l'avantage, c'est qu'on conserve habituellement une bonne qualité de vie, et ça pendant plusieurs années. Et on va souvent, par exemple, considérer que les traitements, si c'est possible, de les prendre à vie, c'est ce qui est souvent le mieux, ou jusqu'à ce qu'ils cessent de fonctionner. Parfois, ces temps-ci, on parle de congés thérapeutiques. Je vais en parler un petit peu plus en profondeur tout à l'heure pour voir dans quelle situation ça pourrait être approprié. Sinon, en fait, depuis l'apparition des inhibiteurs de la tyrosine kinase, on a en fait rendu la maladie de la LMC de maladie potentiellement mortelle à maintenant maladie contrôlable. Donc, ça a vraiment fait un grand changement. Et il y a beaucoup, en fait, par exemple, le côté espérance de vie que ça l'a beaucoup amélioré. Donc, les gens qui ont la LMC ont quand même une très, très bonne espérance de vie. Donc, il ne faut pas perdre espoir de ce côté-là. Pour ce qui est en fait des indications officielles des médicaments, dans le fond des inhibiteurs de tyrosine kinase, en fait, on a quand même cinq médicaments différents disponibles en ce moment au Canada. Le premier qui a été développé, c'est l'imatinib, en fait, qui s'appelle le Glivec. Donc, c'est ce qu'on appelle une première génération. Donc, c'est le plus vieux des médicaments des inhibiteurs de la tyrosine kinase et c'est souvent celui qui est utilisé en premier choix pour les patients. C'est sûr qu'il y a d'autres médicaments qu'on a développés qu'on appelle de deuxième génération, comme le dasatinib ou le Sprycel, le nilotinib, comme le Tasigna, et le bosutinib, le Bosulif. Donc, ces médicaments-là ont été développés par la suite, entre autres aussi pour améliorer soit, dans le fond, l'efficacité du médicament ou des fois pour réduire les effets secondaires. On remarque, par exemple, que c'est quand même. C'est pas parfait comme médicament. Donc, oui, on va avoir des réponses des fois plus rapides et plus profondes, mais pour l'instant, on n'a pas de grand changement au niveau de la survie. Donc, on va voir ça un peu plus en détail pour tout à l'heure. Et on a un dernier, en fait, qui est d'une troisième génération, qu'on appelle le ponatinib, qui est communément appelé aussi l'Icluzig, que lui est un peu plus particulier, le côté effet secondaire. Donc, souvent, il est gardé vraiment comme dernier recours, comme inhibiteur de la tyrosine kinase. C'est bien beau, en fait, les indications, par exemple, de dire que le dasatinib, il est indiqué, par exemple, en phase chronique, accélérée ou blastique. Il faut comprendre, en fait, que une des choses qui vont nous limiter souvent au Québec dans les choix de traitement, c'est la couverture par les assurances. Plus communément, en fait, on va regarder surtout la RAMQ. Donc, la RAMQ, c'est, dans le fond, le minimum que toutes les assurances du Québec doivent couvrir. Ce qui arrive, en fait, c'est que la RAMQ considère, en fait, que l'imatinib, dans le fond, est un premier choix pour toutes les phases. Sinon, on a aussi le nilotinib qui est disponible en phase chronique comme premier choix aussi. Mais dans le fond, les autres médicaments, par exemple, le dasatinib, en premier choix, il n'est pas approuvé par la RAMQ. Ça peut arriver, par exemple, que des assurances privées vont quand même l'accepter en première ligne. Mais souvent, c'est ce qui va nous limiter un petit peu pour les choix de traitement. Donc, on va regarder en ordre, en fait, ce qui va être mieux pour chaque personne. Dans le fond, quand je dis que c'est approuvé à la RAMQ, il faut quand même comprendre que c'est des médicaments d'exception. Donc, il faut demander des autorisations à la RAMQ quand même, de remplir des formulaires par le médecin pour demander l'autorisation. Donc, c'est vraiment le médecin qui complète tout ça. Dans le fond, qui va mettre les justifications, mais il y a moyen aussi pour, par exemple, le bosutinib qui n'est pas accepté d'emblée à la RAMQ. Il y a moyen de demander ce qu'on appelle un patient d'exception qui, en fait, des cas plus spécifiques
spéciaux, des cas particuliers où est-ce qu'on peut justifier la demande et, par exemple, de mettre des études pour justifier davantage là, pourquoi on voudrait faire couvrir le médicament. Donc, c'est possible à la RAMQ de faire couvrir le bosutinib si on est dans une situation qui pourrait le justifier finalement. Il faut comprendre aussi que les inhibiteurs de la tyrosine kinase, éventuellement, il y a souvent des résistances qui peuvent se développer. La résistance, en fait, c'est quand les cellules cancéreuses vont développer la capacité à survivre aux médicaments utilisés. Donc, ce qui arrive, c'est que, par exemple, en résistance primaire, c'est que si on donne un médicament à quelqu'un, dans le fond, on n'obtiendra jamais une bonne réponse avec ce médicament-là. Tandis que la résistance secondaire, c'est qu'on va perdre la réponse au traitement. Par exemple, quelqu'un qui va prendre un médicament depuis un certain temps, que ça fonctionne super bien, puis éventuellement, ça peut finalement arrêter de fonctionner. Pourquoi ça arrive, en fait, c'est qu'il y a des mutations qui peuvent se développer au niveau des cellules cancéreuses. Donc, ce qui arrive, c'est que la protéine qui est fabriquée, elle peut changer un petit peu de forme, ce qui fait que le médicament ne se lie pas aussi bien qu'auparavant à son site d'action, finalement. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on perd l'efficacité, dans le fond, du médicament dans cette situation-là. Des fois, on peut augmenter la dose des médicaments pour surpasser ça, mais souvent, on va quand même changer le traitement parce que quand on augmente les doses, évidemment, on peut augmenter aussi le risque d'effets secondaires, des fois qui est non négligeable chez certains patients. Donc, ça peut être des choses qu'on va simplement vouloir changer le traitement. On va voir un petit peu plus en détail, un peu rapidement, chacun des médicaments. Donc, pour commencer, en fait, c'est l'imatinib. Comme je vous ai dit, c'est le premier qui a été sorti. Donc, souvent, le premier choix de traitement en phase chronique. La dose va changer en fonction de la phase dans laquelle on va commencer le traitement. Ou encore, si on a de la résistance à un autre traitement. Mais habituellement, vu que c'est utilisé en première ligne, c'est pas nécessairement souvent. Habituellement donné une fois par jour, mais parfois ça peut être donné deux fois par jour selon la dose. Quand on dépasse une certaine dose, on peut la séparer en deux. On va recommander de la prendre avec de la nourriture et un grand verre d'eau pour aider à réduire les inconforts au niveau de la digestion. Donc, c'est plus facile à digérer s'il y a d'autres choses dans l'estomac que le médicament. Et pour tous les médicaments qu'on va vous parler aujourd'hui, il y a des interactions qui sont possibles avec soit d'autres médicaments, évidemment, mais aussi avec les médicaments en vente libre ou même des produits de santé naturelle. Donc, c'est toujours, on va toujours vérifier avec les autres pharmaciens, en fait, votre pharmacien pour être sûr que tout est correct. Mais il faut aussi penser aux médicaments en vente libre et produits de santé naturelle qui ne sont pas nécessairement dans votre dossier. Une particularité, en fait, de l'imatinib, c'est qu'on va demander d'être très prudent avec l'acétaminophène, donc le Tylenol, dans le fond, de limiter la dose et l'utilisation régulière si possible, parce qu'il y a déjà eu des cas où est-ce qu'il y avait une personne qui n'a pas pris nécessairement une très grande dose de Tylenol, mais qui la prenait régulièrement et ils ont développé, dans le fond, une toxicité au niveau du foie quand même très importante et éventuellement, cette personne-là, elle est décédée. Donc, c'est super important donc de limiter si possible. Il y a moyen de l'utiliser, mais de façon non régulière si c'est ça va être le mieux de ce côté-là. Ensuite, pour le dasatinib, donc la dose de départ, c'est 100 mg une fois par jour. Il y a possibilité d'augmenter la dose à 140 mg si la réponse est non suffisante. Donc, si on voit qu'il y a une réponse, mais qui n'est pas celle qu'on voudrait aller plus loin, il y a moyen d'augmenter la dose, mais il y a aussi moyen, évidemment, d'ajuster la dose à la baisse si on a trop d'effets secondaires. Celui-là, dans le fond, peut être pris avec ou sans nourriture, donc ce n'est pas un problème pour celui-là. Il y a une particularité avec certains fruits qu'on doit éviter. Donc, les fruits qu'on parle le plus souvent, c'est le pamplemousse. Donc, le fruit et le jus, il faut éviter. Mais il y a aussi d'autres fruits comme l'orange amère de Séville, la carambole, le pomelo et la grenade. Donc, c'est des fruits, en fait, particuliers qui vont vraiment causer une interaction avec le médicament. Donc, ils peuvent augmenter les concentrations du médicament, ce qui pourrait, en fait, causer plus d'effets secondaires. Donc, à éviter le plus possible, c'est vraiment ces fruits-là en particulier. Sinon, pour encore les autres interactions avec les médicaments, on sait encore la même chose, mais pour le Sprycel, il y a une particularité au niveau des antiacides. En fait, le médicament, il est mieux absorbé quand il y a beaucoup d'acidité au niveau de l'estomac. Donc, le principe, c'est que si on prend un antiacide, on risque de diminuer
l'efficacité du médicament, donc de réduire son absorption finalement. Et selon si on a besoin de prendre un antiacide, ça va être vraiment de l'administrer au bon moment. Puis pour chaque médicament et chaque produit antiacide qu'on va utiliser, il y a des recommandations différentes. Donc, ça va être bien de toujours demander au pharmacien pour être sûr que c'est fait de la bonne façon si on a besoin. Mais évidemment, si on est capable de les éviter complètement, c'est ce qui est le mieux. Ensuite, pour tous les médicaments en fait de deuxième génération, les études ont démontré en fait que les réponses qu'on obtient avec les autres médicaments comparativement à l'imatinib, on a des réponses moléculaires plus rapides et plus profondes. Comme je vous ai dit un peu plus tôt, en fait, c'est bien d'avoir des bons résultats, mais il faut comprendre en fait qu'il n'y a aucune différence entre les molécules jusqu'à maintenant au niveau de la survie. Donc, on ne voit aucun changement au niveau de l'espérance de vie avec les médicaments de un à l'autre. Dans le sens que oui, de prendre un inhibiteur à la tyrosine kinase, ça augmente beaucoup l'espérance de vie des patients, mais de un à l'autre, il n'y a pas de différence significative entre chaque. Donc, on les considère comme équivalents pour cette raison-là. Si on a des meilleures réponses, tant mieux, mais ce n'est pas nécessairement ça le résultat qu'on veut obtenir finalement. Pour ce qui est du nilotinib, en fait, le Tasigna, lui, c'est un petit peu plus particulier pour la prise. Dans le fond, c'est à jeun, donc il faut le prendre une heure avant ou deux heures après un repas. Et c'est deux fois par jour, là, donc il faut quand même planifier un peu plus la journée en conséquence. Encore une fois, les fruits particuliers à éviter pour les interactions. Les antiacides, c'est la même chose aussi que le dasatinib. Donc, de demander à votre pharmacien pour savoir quand les prendre, si on doit en prendre, et évidemment de les éviter si c'est possible. Et encore une fois, donc potentiellement plus puissant que l'imatinib, mais aucun changement au niveau de la survie. Donc, ça revient à dire que c'est équivalent à l'imatinib. Le bosutinib, en fond, lui, la dose va changer si c'est donné en premier choix ou si c'est donné après un autre traitement inhibiteur de la tyrosine kinase. Donc, la dose va changer, mais c'est toujours une fois par jour. On va le prendre avec la nourriture, en fait, pour améliorer l'absorption du médicament. Donc, c'est important vraiment de le prendre avec la nourriture pour cette raison-là. Encore une fois, les mêmes fruits problématiques pour les interactions, donc pamplemousse, orange amère de Séville, carambole, pomelo et grenade à éviter le plus possible. Et dans le fond, les interactions, encore une fois, donc les antiacides et tous les autres médicaments possibles qui peuvent interagir avec le médicament. Donc, ça revient vraiment encore une fois à la même chose pour ça. Pour le ponatinib, dans le fond, l'éclusing, lui, il est particulier. En fait, il est disponible via un programme de distribution contrôlée qui a été exigé par Santé Canada parce qu'il y avait des effets secondaires très importants. En fait, le médecin doit être certifié par le programme pour pouvoir prescrire ce médicament-là. Les pharmacies aussi doivent être certifiées par le programme pour pouvoir distribuer le médicament. Donc, ce n'est pas nécessairement disponible à toutes les pharmacies au Québec. Le dosage de départ, en fait, c'est de 45 mg une fois par jour et c'est un des médicaments, en fait, qu'on va recommander de diminuer la dose quand on va avoir atteint notre réponse pour justement limiter, dans le fond, les effets secondaires du médicament qui sont quand même non négligeables. Ça peut être pris avec ou sans nourriture. Il y a des interactions encore avec les mêmes fruits. Les interactions en général contre les autres médicaments, il faut les vérifier avec le pharmacien, mais il n'y a rien de particulier pour ce qui est des antiacides. La particularité, en fait, qui est super intéressante pour le ponatinib, c'est qu'il a quand même été développé dans le but de passer d'avoir une bonne activité contre les mutations particulières là, qui sont problématiques avec les autres inhibiteurs de la tyrosine kinase. Donc, souvent, elle a une super bonne efficacité dans les cas de résistance, entre autres, à l'imatinib et les autres médicaments. Le problème, en fait, c'est qu'on a un potentiel d'effet secondaire grave super important et que ça ne convient pas à tous les patients. En fait, quand on parlait d'effets secondaires graves, on avait des caillots sanguins, donc des cas, par exemple, d'AVC, on peut avoir des embolies pulmonaires, on peut avoir des problèmes cardiaques importants. Donc, c'est la raison pourquoi il y a un programme de distribution contrôlé pour ce médicament-là. Et il faut comprendre que ce n'est vraiment pas pour tous les patients qu'on va donner le médicament non plus. Pour ce qui est, en fait, là, des effets secondaires, j'ai fait des tableaux parce que souvent, les effets secondaires d'une molécule à l'autre, c'est à peu près les mêmes. C'est juste que dans le fond, il y en a qui sont un peu plus présents qu'un autre. Donc, pour faire ça un peu plus simple, je l'ai mis en tableau. Donc, pour commencer,
Avec tous les médicaments, on peut avoir des nausées et des vomissements. Dans le fond, c'est sûr que les médicaments, si on est capable de les prendre avec de la nourriture, donc le Tasigna, ce n'est pas le cas, mais pour tous les autres médicaments, si c'est possible de le prendre avec de la nourriture, c'est ce qui est le mieux pour, entre autres, diminuer les nausées et les vomissements. C'est toujours possible de prescrire des médicaments contre les nausées par le médecin. Donc, idéalement, en fait, on va les prendre au besoin seulement. Il faut essayer de les prendre quand même le plus tôt possible pour éviter en fait qu'on n'ait pas des trop grosses nausées, qu'on ne se rende pas en fait au vomissement, ce qui permet en fait souvent à contrôler le plus efficacement là, les effets secondaires de cette manière-là. Donc, on remarque que si on en prend le plus tôt possible, souvent on en prend peut-être un peu moins à la longue finalement parce qu'on a bien contrôlé nos nausées dès le départ. Il y a moyen de quand même vous aider de votre côté, dans le fond, de manger des plus petits repas plus souvent, de manger en fait des choses qui vous intéressent, que vous avez le goût de manger. Éviter peut-être des aliments qui sont plus épicés, de manger dans le fond des repas peut-être température pièce si c'est possible. Donc, c'est moins irritant au niveau de l'estomac pour commencer. Mais habituellement, les nausées et les vomissements, ça finit par s'atténuer avec le temps. Le corps finit par s'habituer. Donc, il faut un peu passer par-dessus. La première partie, en fait, au départ, là, pour tout ça. Sinon, de prendre les médicaments au besoin si on en a besoin. Pour ce qui est des diarrhées, c'est un peu le même principe, en fait, que les nausées et vomissements, dans le sens qu'on a un médicament qu'on peut prendre au besoin, en fait, qui est le loperamide ou l'Imodium. Et souvent, ce qu'on va recommander, en fait, c'est de l'utiliser le plus tôt possible pour éviter, en fait, de ne pas tomber dans des diarrhées très intenses. Donc, de le prendre rapidement, dès qu'on envoie les premiers signes, c'est ce qui est le plus efficace. Évidemment, des fois, il y a des cas où est-ce qu'on va avoir besoin d'arrêter peut-être le médicament quelque temps. Dans ces situations-là, en fait, on va l'arrêter, prendre de l'Imodium et quand ça va être revenu à la normale, on peut souvent recommencer en fait à reprendre le traitement. Et dans ces situations-là, souvent quand on reprend, c'est un petit peu moins pire la deuxième fois. Donc, on est habituellement capable de les contrôler un peu plus. Il y a des choses que vous pouvez faire à la maison pour vous aider, entre autres ce qu'on appelle la diète antidiarrhéique. En fait, c'est de manger par exemple des bananes, du riz, de la compote de pommes et des rôtis. Dans le fond, ces aliments-là aident un peu à la constipation, donc ça peut aider en plus du médicament. Évidemment, c'est sûr que l'opéramide, c'est ce qui est le plus efficace pour arrêter rapidement les diarrhées. Sinon, de maintenir une bonne hydratation dans ces situations-là, évidemment. Ensuite, les médicaments, effectivement, ils peuvent aussi causer de la fatigue. La fatigue, en fait, c'est quand même présent, en fait, soit avec la maladie, soit avec le médicament. Donc, c'est pas toujours facile de faire la distinction entre les deux. Mais on remarque en général que tous les traitements en oncologie, la meilleure technique pour contrer la fatigue, en fait, c'est de faire un petit peu d'exercice modéré. Par exemple, de faire de la marche, du yoga, du vélo ou de la musculation. Et souvent, on remarque qu'en général, ça donne plus d'énergie pour faire autre chose. Évidemment, il faut ajuster en fait vos exercices en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Sinon aussi, ce qui peut aider pour la fatigue, c'est de dormir un peu plus efficacement. Ce qu'on veut dire en fait, c'est de faire une routine de sommeil, par exemple, de se coucher toujours à la même heure et de se lever toujours à la même heure. Dans le fond, limiter les écrans avant de se coucher, donc le téléphone, de ne pas le regarder avant de se coucher. C'est sûr que si on est fatigué pendant la journée, on peut faire une sieste. Habituellement, dans le fond, la sieste, on est capable de la limiter à 1 heure par jour. C'est souvent ce qui est le mieux. Idéalement, la faire entre 1 heure et 3 heures, c'est le meilleur moment aussi pour la faire, pour que ce soit plus efficace après ça de dormir la nuit, dans le fond, quand ça va arriver. Sinon, parfois, on peut avoir des douleurs osseuses, articulaires ou musculaires avec les médicaments. Pour ce qui est des douleurs osseuses et articulaires, habituellement, ça diminue avec le temps, ça finit par passer finalement. Pour les douleurs en fait musculaires, pour ce qui est des crampes en fait qu'on veut parler peut-être un peu plus spécifiquement, ça va pas nécessairement diminuer avec le temps malheureusement pour cet effet secondaire-là. Il est quand même parfois possible de donner des suppléments de calcium ou de magnésium. Qui peut aider à diminuer un petit peu les crampes. Idéalement, avant de prendre des suppléments de calcium et de magnésium, on va regarder quand même des prises de sang pour être sûr qu'on a
soit pas en fait en surplus de calcium et de magnésium déjà à la base. Donc, avant de commencer des suppléments, c'est quand même mieux de confirmer soit avec le pharmacien ou encore avec le médecin pour être sûr que c'est approprié. Sinon, pour les douleurs, en général, on peut utiliser des médicaments, par exemple l'acétaminophène ou l'ibuprofène. La particularité avec l'acétaminophène, évidemment, comme je vous ai dit, c'est l'imatinib. Des fois, ce n'est pas toujours approprié de commencer l'acétaminophène. Et parfois, l'ibuprofène, il y a des particularités si on a d'autres problèmes de santé ou encore si on a des problèmes au niveau des plaquettes, s'ils sont basses. Ce n'est pas nécessairement notre premier choix. Si vous n'êtes pas certain de savoir quoi prendre pour contrôler votre douleur, vous pouvez toujours demander, entre autres, au pharmacien pour pouvoir vous guider, savoir si les prises de sang, tout est correct pour pouvoir prendre certains médicaments, par exemple. Sinon, ce qui est aussi possible pour les médicaments, en fait, c'est une éruption cutanée qu'on appelle habituellement un rash. C'est surtout en début de traitement qu'on va remarquer l'apparition des rashs habituellement. C'est souvent léger, donc une très grande réaction. Il est souvent possible de poursuivre le traitement malgré tout. La meilleure chose, en fait, c'est de prévenir le rash, c'est-à-dire d'utiliser une crème hydratante régulièrement non parfumée, donc les savons aussi non parfumés. Des crèmes hydratantes, par exemple, ça peut être de l'Aveeno, ça peut être du Cutiban, ça peut être du Glaxalbans. Donc, il y a plusieurs sortes de crèmes non parfumées qui peuvent être utilisées. Idéalement, une fois par jour, si c'est possible, encore deux fois par jour, c'est encore mieux. Sinon, aussi d'utiliser de la crème solaire parce que ça peut être en fait empiré par le soleil. Donc, d'utiliser la crème solaire régulièrement quand on sort à l'extérieur. Sinon, évidemment, on peut traiter dans le fond la réaction quand elle arrive, donc les symptômes, donc soit de diminuer les démangeaisons ou diminuer la rougeur des fois aussi. Donc, on peut traiter en temps et lieu soit des médicaments pour les allergies ou des crèmes des fois de cortisone qui peuvent être utilisées. Mais en général, ça va quand même super bien, puis on peut quand même continuer nos traitements malgré tout. Pour ce qui est en fait de la rétention d'eau, ce qu'on va appeler en fait de l'œdème ou de l'enflure, en fait, souvent les médicaments, ils vont souvent causer de l'enflure, entre autres au niveau des jambes, donc ce qu'on appelle l'œdème périphérique. Sinon, il y a une particularité pour l'imatinib et aussi un peu le dasatinib à l'occasion, c'est un œdème au niveau périorbital, donc au niveau autour des yeux. Parfois au niveau du visage, donc on va voir un petit peu de l'enflure de ce côté-là. C'est pas nécessairement dangereux, mais c'est un peu inconfortable, puis c'est aussi côté esthétique, c'est pas nécessairement intéressant. La meilleure chose pour aider contre ça, c'est de limiter entre autres sa consommation de sel, ce qui va aider à dans le fond, réduire un peu la rétention d'eau. On peut y dormir avec la tête un peu plus surélevée, surtout pour les gens qui en ont au niveau du visage. Parfois, on peut utiliser des diurétiques pour aider à éliminer l'eau. Une des choses qu'on va demander, entre autres, c'est de se peser régulièrement pour voir, en fait, si on retient de l'eau au courant de la semaine, par exemple. Donc, on peut le voir avec le poids, tout simplement, de voir s'il y a des prises de poids un peu inexpliquées. Ça peut être, dans le fond, un surplus d'eau qui a été retenu par le corps. Dans le fond, en tant que tel, pour tout ce qui est, dans le fond, au niveau des jambes, au niveau du visage, comme je vous dis, ce n'est pas nécessairement dangereux. Ce qui peut être un peu plus important, c'est si on a ce qu'on appelle un épanchement pleural ou, en fait, qu'on appelle de l'eau sur les poumons. Donc, ce qui arrive, c'est que c'est plus problématique. Donc, on va avoir, entre autres, de la toux sèche, un essoufflement, une lourdeur dans la poitrine. Donc, c'est des symptômes qu'on va vous demander de surveiller. Si jamais ça vous arrive, on va demander une consultation plus rapide avec le médecin. Donc, ce n'est pas nécessairement d'attendre le prochain rendez-vous, mais de communiquer directement avec votre équipe traitante pour en fait avoir soit un traitement rapidement ou même interrompre souvent les traitements pour ces situations-là. Donc, on ne veut pas prendre de chance, on va quand même, dans le fond, on va quand même traiter rapidement pour ces raisons-là. Donc, de ne pas hésiter à communiquer avec votre équipe traitante pour ces raisons-là. Non, pour l'hypertension, c'est sûr qu'on peut en avoir un petit peu pour chaque médicament. La plupart du temps, c'est léger, donc on continue le traitement sans problème. On va souvent ajuster, par exemple, des médicaments contre la haute pression, donc soit les ajuster ou des fois débuter des traitements. Pour le ponatinib, par exemple, il y avait eu des cas où est-ce qu'il y avait des hypertensions quand même graves, donc il y avait nécessité, en fait, un arrêt de traitement.
Et ça, c'est d'avoir un cas plus particulier. Mais pour tous les autres médicaments en général, ce n'est pas trop problématique. Ça va bien de ce côté-là. Sinon, il y a des fois des cas où est-ce qu'on va développer à la longue souvent une insuffisance cardiaque avec ces médicaments-là, plus fréquemment avec le ponatinib, entre autres, mais quand même possible avec les autres médicaments. Ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Il y a quand même une possibilité de traiter l'insuffisance cardiaque, mais on va quand même faire un suivi avec les médecins. Ils vont regarder, faire des examens et tout pour pouvoir essayer de prévenir, en fait, de ne pas aggraver, dans le fond, si on tombe dans une insuffisance cardiaque, de ne pas que ce soit trop avancé avant de commencer un nouveau traitement. Donc, ils vont surveiller ça pour être sûr qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et il y a une particularité aussi avec les médicaments, c'est qu'ils vont surveiller aussi pour des arythmies. Donc, souvent, ils vont vous demander de faire un ECG, donc un électrocardiogramme, pour pouvoir voir le rythme du cœur et voir s'il y a des changements après le début de traitement, par exemple. Donc, souvent, l'ECG est fait avant de commencer, puis quelques semaines après le début de traitement, et ce qui va permettre, entre autres, de voir c'est quoi notre risque de faire des arythmies. C'est sûr qu'en général, si on prend un seul médicament puis qu'on n'a pas de facteur de risque, ce n'est pas nécessairement fréquent de faire des arythmies. C'est vraiment les facteurs de risque qu'on va surveiller, entre autres les électrolytes dans les prises de sang. Et aussi, ce qui va être super important, c'est les interactions médicamenteuses avec d'autres médicaments qui peuvent aussi augmenter des fois les arythmies. Donc, ça va être important de surveiller ça avec l'ECG, entre autres. Mais habituellement, dans le fond, les pharmaciens peuvent voir aussi les ajouts des médicaments s'il y a des choses qui peuvent augmenter le risque. Et finalement, pour la gestion des effets secondaires, il restait surtout les effets au niveau de la formule sanguine complète. Donc, en début de traitement, quand la leucémie, en fait, elle n'est pas encore complètement contrôlée, ça arrive qu'on va voir une diminution des globules blancs. On peut voir une diminution des globules rouges, puis une diminution des plaquettes par les médicaments, c'est possible. En général, ça se replace dans le fond quand la maladie est bien contrôlée. Donc, souvent, en début de traitement, ça peut arriver, mais à long terme, habituellement, ça n'arrive presque plus. La seule chose qu'on va vous demander en particulier, c'est si jamais vous faites de la température, donc de la fièvre à 38,3 degrés Celsius ou encore de la fièvre à 38 ou plus, donc entre 38 et 38,2. Pendant plus qu'une heure, on va vous demander de consulter donc rapidement un médecin, de ne pas prendre de Tylenol dans ces situations-là pour pouvoir avoir un traitement le plus rapidement possible. Sinon, de se laver les mains souvent, donc ces temps-ci, c'est sûr qu'avec la COVID, on le fait déjà, donc, mais ça va être particulièrement important quand même de le faire régulièrement pour toutes les personnes qui prennent ces médicaments-là pour cette raison-là. Sinon, pour l'anémie, donc la diminution des globules rouges, on peut quand même maintenir un niveau d'activité lorsque c'est possible, puis de se reposer tout simplement aux besoins, mais habituellement, ça se replace avec le temps. Pour les plaquettes, dans le fond, quand on a une diminution des plaquettes, l'inquiétude, en fait, c'est de faire un peu plus de saignement. Donc, ce qui peut arriver, c'est qu'on va avoir des saignements au niveau des gencives, au niveau du nez. C'est pas problématique si le saignement arrête par soi-même ou en quelques minutes. En fait, c'est si le saignement dure au-delà de 15 et 20 minutes sans arrêt. Dans ces situations-là, évidemment, il faut aller à l'hôpital pour faire, dans le fond, pour arrêter le saignement, tout simplement. Mais la plupart du temps, ça va quand même super bien avec ces médicaments-là pour de ce côté-là. Donc, il ne faut pas trop s'inquiéter, pour ces effets secondaires-là, en général, à long terme. Donc, j'ai déjà fait le tour pour, dans le fond, les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Je voulais quand même glisser un mot pour la greffe de cellules souches allogéniques. En fait, c'est quoi la greffe? C'est vraiment un traitement de dose élevée de chimiothérapie et de radiothérapie dans le but d'augmenter, en fait, les chances d'éliminer le cancer. La seule chose, c'est quand on fait ça, on détruit pratiquement, en fond, tout le système immunitaire de la personne qui reçoit le traitement. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on a besoin de nouvelles cellules souches d'un donneur qui va pouvoir, on va pouvoir repartir notre système immunitaire de ces nouvelles cellules souches-là. L'avantage, en fait, c'est que c'est un traitement quand même qui est potentiellement curatif, donc qui pourrait quand même donner beaucoup de chances de guérison pour la LMC. Mais le problème, c'est qu'on a beaucoup de toxicité, dans le fond, avec ce traitement-là, donc des complications, des effets secondaires graves. Il y a certaines personnes qui peuvent en mourir, donc c'est non négligeable, effectivement. C'est pour ça, en fait, qu'on ne va pas nécessairement le proposer pour tout le monde. C'est habituellement envisagé pour les personnes qui sont en phase accélérée et blastique. Si jamais on est en phase chronique et qu'on a des mauvaises réponses aux inhibiteurs de la tyrosine kinase, ça peut être une option à ce moment-là.
Il faut comprendre aussi qu'il y a d'autres facteurs à considérer pour la greffe de cellules souches, entre autres l'âge, l'état de santé global. Donc, il faut être en bonne forme pour pouvoir passer par-dessus cette épreuve. Ça va dépendre, dans le fond, de la phase de la LMC, comme je vous ai dit, et voir si on a des mauvaises réponses aux autres traitements ou encore une di disponibilité d'un donneur qui a une bonne compatibilité pour le, dans le fond, pour le greffer. Finalement, il faut avoir quand même une compatibilité entre les deux. Donc, malgré tout, les inhibiteurs de la tyrosine kinase vont quand même rester un premier choix de traitement, entre autres parce qu'ils vont donner un contrôle de la maladie vraiment de longue période. Ça nous permet de conserver une bonne qualité de vie, puis on n'a pas les effets secondaires graves de la transplantation. Donc, souvent, c'est pour ça que, dans le fond, quand on est en phase de chronique, c'est notre premier choix. Sinon, pour ce qui est de l'immunothérapie non spécifique, c'est ce qu'on appelle en fait les interférons. L'immunothérapie, en fait, c'est ce qu'on appelle des traitements médicamenteux qui vont stimuler le système immunitaire pour, dans le fond, l'aider à mieux répondre contre les cellules cancéreuses, mieux les identifier. L'interféron, en fait, c'est un produit quand même qu'on fabrique nous-mêmes dans le corps. Donc, c'est quand même quelque chose qui est naturel. La seule chose, c'est que c'est habituellement utilisé contre les infections. Donc, on a souvent des symptômes qui ressemblent à ce qu'on appelle des symptômes pseudo-grippaux. Donc, dans le fond, des douleurs et musculaires et tout. Donc, souvent, c'est pas tant bien toléré pour cette raison-là. Donc, on l'utilise de moins en moins. C'est principalement utilisé pour ceux qui tolèrent mal les autres traitements ou, entre autres, pour les femmes enceintes, des fois, qui peuvent être utilisées pour, dans le fond, que ce soit approprié pendant une grossesse. Donc, comme je vous ai dit, dans le fond, il y a plusieurs effets secondaires possibles et c'était pas tant bien toléré. Sinon, pour la chimiothérapie, comme je vous dis, c'est pratiquement plus utilisé. C'est surtout en préparation à la greffe de cellules souches qu'on va l'utiliser. Sinon, dans le fond, on les utilise souvent en visée palliative, c'est-à-dire de maîtriser certains symptômes quand on est rendu dans un stade avancé de la maladie, pour, entre autres, pas nécessairement pour traiter, pour la rendre indétectable ou quoi que ce soit, mais juste pour limiter, dans le fond, les symptômes associés à la leucémie. Donc, il y avait la cytarabine et le busulfan, mais j'y réponds en détail sur ça. Pour ce qui est de la réponse au traitement, il y a plusieurs types de réponses qu'on veut obtenir. En fait, ce qu'on appelle la réponse hématologique, cytogénétique et moléculaire. Donc, c'est de plus en plus profond comme réponse. Habituellement, notre première réponse hématologique, c'est vraiment au niveau de la prise de sang qu'on va regarder, voir si les globules blancs retournent à la normale, les globules rouges, les plaquettes. On va regarder aussi la taille de la rate. Habituellement, c'est vraiment la première étape, donc d'avoir une réponse hématologique. Puis en général, en 3 mois, on peut avoir une bonne réponse puis obtenir la réponse qu'on appelle hématologique à ce moment-là. Pour ce qui est, dans le fond, la réponse cytogénétique, on va regarder dans le fond des cellules de la moelle osseuse au microscope. Donc, on va établir en fait le pourcentage des cellules qui portent le chromosome de Philadelphie, puis on va pouvoir établir grâce à ça un type de réponse. Donc, idéalement, si on est capable de viser un type de réponse cytogénétique majeure complète, donc moins de 1 %, à ce moment-là, c'est ce qu'on va vraiment viser de ce côté-là. Donc, moins de 1 % de cellules porteuses du chromosome de Philadelphie. Pour ce qui est de la réponse moléculaire, donc souvent, c'est celui-là qu'on va parler avec le médecin. Donc, on va vérifier avec, par exemple, la PCR quantitative. La quantité en fait de cellules qui sont présentes avec dans le fond le code génétique, on va pouvoir vérifier ça. Et tout dépendant en fait de quel hôpital vous allez faire les tests, il y a des hôpitaux qui vont utiliser l'échelle internationale IS qui va exprimer le résultat en fait en pourcentage ou encore des fois ça va être une réduction des niveaux de base de BCR-ABL qu'on va parler en fait en réduction logarithmique, donc les logs. Nous, ce qu'on va vraiment viser, c'est une réponse profonde, maintenant qui est séparée en 2 types parce qu'on est capable d'y aller de plus en plus plus précis. Donc, on veut une réponse, par exemple, MR4, qui est un minimum de réduction de 4 logs ou un pourcentage de 0,01 %. Mais on peut aller encore plus loin à MR4,5, comme vous pouvez voir dans le tableau. Donc, idéalement, si on est capable de se rendre jusqu'à cette réponse-là, c'est un monde idéal. C'est ce qui est le but visé, en fait, des traitements, si on est capable de se rendre jusque-là. La fréquence, dans le fond, c'est de le faire, la PCR quantitative, par exemple, au diagnostic, aux 3 mois par la suite.
si après 2 ans, ça va toujours super bien, on peut laisser passer aux 3 à 6 mois par la suite, selon le jugement des fois du médecin. Si jamais il y a une augmentation de 1 log, ben on va le faire des fois même plus souvent aux 1 à 3 mois pour voir si, il y a une perte d'efficacité du traitement finalement. Un petit mot pour le congé thérapeutique. En fait, le congé thérapeutique, c'est ce qu'on appelle un arrêt de traitement. Il y a certaines personnes qui peuvent considérer en fait arrêter les traitements, mais c'est vraiment un cas par cas. C'est vraiment très particulier. On va quand même regarder plusieurs critères avant de pouvoir arrêter les traitements. Il faut vraiment évaluer les risques et les bénéfices pour chaque personne. On pense quand même qu'il y a environ 50 % des patients qui pourraient arrêter leur traitement et rester en rémission sans traitement par la suite. Donc, c'est quand même possible, mais il y a quand même un 50 % qui pourraient avoir perte de leur rémission si jamais on arrête le traitement. Puis, il faut aussi considérer qu'il y a des symptômes de sevrage quand on arrête les médicaments. Donc, les symptômes, en fait, c'est des douleurs musculaires et articulaires qui peuvent se développer environ chez 25 à 42 % des patients qui cessent leur traitement. Et ça peut perdurer pendant plusieurs mois. Donc, ça peut être non négligeable, encore une fois, pour ça. Les critères, par exemple, de base, là, avant d'en parler avec votre médecin, il faut au moins avoir fait un traitement avec la même médicament pendant 3 ans. Il faut que la réponse soit moléculaire, qu'elle soit vraiment stable. Donc, on va vraiment viser un MR4 ou un BCR-ABL à 0,01 % pendant au moins 2 ans consécutifs. Donc, on ne considère pas d'arrêter les traitements si ça ne respecte pas ces critères-là. Et il ne faut jamais avoir été en phase accélérée ou blastique non plus, car on sait que si on ne respecte pas ces critères-là, on risque de perdre le contrôle de la maladie si jamais on arrête les traitements. Et il y a une particularité aussi, c'est qu'on va vraiment augmenter la fréquence des suivis. Donc, dans le fond, à tous les mois, on va devoir faire des prises de sang pour vérifier, entre autres, par exemple, la PCR quantitative pendant les 6 premiers mois. Ensuite, on peut y espacer aux 2 mois pendant 18 mois, puis éventuellement aux 3 mois si c'est toujours une bonne réponse qui a été maintenue. Donc, il faut comprendre qu'il faut quand même faire un suivi super serré par la suite, même si on arrête le traitement. Malheureusement, je n'aurais pas le temps de parler, dans le fond, des recommandations pour un mode de vie sain. Là, vous connaissez quand même les grandes lignes de ce côté-là. Moi, ce que je voulais surtout vous parler, en fait, c'est des résultats de vos laboratoires. Vous pouvez quand même vous inscrire, en fait, à ce qu'on appelle le carnet Santé Québec, ce qui vous permet d'avoir vos résultats de laboratoire à la maison. Donc, vous pouvez vous inscrire sur si vous cherchez carnet Santé Québec. Il y a un portail qui vont pouvoir vous envoyer, dans le fond, un code pour pouvoir vous inscrire. Et grâce à ça, en fait, vous allez pouvoir avoir accès éventuellement à vos laboratoires directement de la maison. Et c'est super important, en fait, si vous êtes capable de le faire, de faire le suivi de votre santé pour vous aider de ce côté-là. Dans le fond, on est rendu à la fin de la présentation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par le chat. Merci beaucoup, Roxane, pour la présentation. C'était vraiment très, très intéressant, mais surtout très complet. Vous avez répondu à plusieurs des questions qu'on a reçues à l'avance durant la présentation. On en a reçu également pendant. Donc, une première question, ça serait, quelle est l'espérance de vie pour une personne qui a la LMC? En général, ça va vraiment dépendre aussi à quel âge qu'on a eu le diagnostic de la LMC pour savoir un peu l'espérance de vie pour chaque personne. Je sais qu'il y a quand même des études qui ont été faites, entre autres en Suède, qui disaient qu'en général, ils pouvaient considérer que les personnes qui ont la LMC avec les nouveaux traitements, on considère en fait que ça pourrait peut-être réduire de 3 ans en moyenne l'espérance de vie, mais ça, c'est en moyenne. Donc, ça peut être des fois pas toujours applicable pour tout le monde, mais en tout, ça revient relativement au même. On a une espérance de vie quand même très similaire au public général, malgré tout, avec ces traitements-là. Aussi, une personne demandait, quand on parle de rayonnement, est-ce que le rayonnement des tours électriques, appelés pylônes, peuvent être à l'origine d'une leucémie? Il n'y a aucune étude qui démontre comme quoi ces rayonnements-là, ce serait problématique pour des leucémies.
C'est vraiment les rayonnements particuliers, donc de tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est des rayonnements anormaux, dans le sens que c'est vraiment des, par exemple, les exemples, c'était vraiment les bombes atomiques ou des accidents nucléaires. Donc, c'est vraiment des choses qui sont anormales, dans le sens que de la vie de tous les jours, on n'a pas suffisamment de rayonnement. Même, par exemple, des gens qui peuvent être inquiets pour les radiographies, il n'y a aucune preuve qui dise que les radiographies augmentent le risque d'avoir la LMC. Donc, en général, on considère vraiment que c'est des rayonnements très particuliers, donc des accidents qui peuvent, dans le fond, augmenter le risque de faire des leucémies. Aussi, une personne demande, vous avez mentionné guérir de la maladie, donc est-ce possible? Puis elle ajoute ensuite, donc rémission sans chimio. C'est surtout dans les cas en fait de greffe qu'on peut avoir un potentiel curatif qu'on appelle, qu'on peut considérer qu'on est guéri. Mais c'est sûr que la situation, en fait, on va quand même faire un suivi par la suite pour être sûr qu'il n'y ait pas des fois, il y a des cas où est-ce que même si on fait une greffe, qu'on va avoir dans le fond une perte d'efficacité, puis la leucémie peut revenir. Donc, il va avoir, quand même avoir un suivi, mais souvent après la greffe, si tout va bien, il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un autre traitement pour, par la suite. La plupart du temps, ils vont faire une observation et si jamais il y a retour de la leucémie, ben, on va traiter à ce moment-là quand ça va être de retour. Mais il y a moyen, en fait, dans quelques situations particulières, de ne pas traiter pendant un certain temps, effectivement. Aussi, une autre personne demande, y a-t-il une interaction avec les IPP et le Sprycel? Doit-on les éviter chez ces patients? Pour ce qui est du Sprycel, dans le fond, le dasatinib, il y a effectivement une interaction avec ce qu'on appelle les IPP, les inhibiteurs de pompe à protons. Dans le fond, idéalement, on essaie de les éviter complètement. C'est sûr que dans le fond, les IPP, il y a des situations particulières où est-ce qu'on va vouloir quand même les utiliser. Par exemple, si on a des situations un peu plus importantes, par exemple, dans le fond, les ulcères gastriques, ça peut être dans des situations de ce style-là. Donc, parfois, le médecin va juger que dans une situation particulière, ça peut être approprié quand même d'utiliser ces médicaments-là. Puis, ils vont faire un suivi, dans le fond, de l'efficacité par en arrière, dans le fond, pour être sûr de ne pas perdre l'efficacité des médicaments. La plupart du temps, si on est capable d'éviter de prendre des médicaments qui diminuent l'acidité, dont les IPP, on va essayer de le faire dans toutes les mesures possibles. Quel suivi un pharmacien communautaire doit-il faire avant de renouveler un inhibiteur TK? Doit-il aller voir les résultats de labo avant de remettre ses produits? Dans le fond, un pharmacien, ça fait partie de notre travail, en fait, de regarder effectivement les résultats de laboratoire avant de servir le médicament. Idéalement, si on est capable de les regarder la journée même, c'est encore mieux. Parfois, c'est difficile parce qu'on ne connaît pas nécessairement les dates exactes à laquelle vous allez faire vos prises de sang. Mais au moins au renouvellement, le pharmacien communautaire devrait regarder les prises de sang pour être sûr que tout est correct avec le médicament. Ça fait partie, en fait, des tâches du pharmacien, oui. On va prendre une dernière question parce qu'on en a reçu quand même plusieurs. Donc, avec quoi peut-on soulager les symptômes liés à la ménopause avec la prise de dasatinib? Dans le fond, ça va dépendre un peu des symptômes de la ménopause qu'on va vouloir viser. Étant donné que je ne sais pas exactement ce qu'on veut viser, c'est un peu plus difficile. Parfois, la plupart du temps, tout ce qui est hormonal, dans le sens que tout ce qui est prescrit par le médecin, des fois par pour la ménopause, normalement, ça devrait être approprié, mais ça va vraiment dépendre un peu de chaque personne, un peu de quel médicament qui serait prescrit dans les situations. Donc, j'aurais tendance à recommander de vérifier soit avec le pharmacien avec qui vous faites affaire ou tout simplement de vérifier avec le médecin oncologue, mais des fois, ils sont un petit peu moins au courant des interactions. Donc, peut-être le pharmacien va pouvoir vous aider plus précisément pour la question. Merci beaucoup pour vos réponses aux questions. On en a reçu d'autres, donc inquiétez-vous pas, on va faire le suivi avec celles qui n'ont pas eu de réponse pendant la présentation. C'est seulement qu'on manque un peu de temps. Donc, merci encore, Roxane, à toi, puis à la pharmacie L'Arrivée Massicotte. Donc, c'est vraiment gentil d'avoir pris le temps de préparer la présentation et d'être des nôtres aujourd'hui. Donc, on voudrait aussi remercier.
On voudrait aussi remercier nos partenaires pour l'événement, donc AbbVie, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb, Celgene, Janssen, Merck, Paladin et Pfizer. Et encore une fois, comme on vous l'a mentionné au début, on est là si vous avez besoin de soutien, si vous recherchez des ressources, vraiment, n'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit moi, vous voyez mon courriel à l'écran, il y a aussi la ligne téléphonique, mais ma collègue Pascal aussi, ça nous fait plaisir de pouvoir répondre à vos questions et de vous aider. Donc, aussi, à la suite de la présentation, quand elle va se fermer, vous allez recevoir un court sondage qui prend peut-être 2 minutes à répondre. Si c'est possible de prendre ce temps-là et d'y répondre, ça nous aide beaucoup dans l'organisation des événements afin de faire des événements qui suivent vos intérêts. Donc, merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui et je vous souhaite une très belle après-midi.